Hello à tous, aujourd'hui je vous montre comment je crée les enveloppes slash intercalaires que j'utilise au quotidien et transportables dans un portefeuille. Ça fait quelques temps que je crée des prototypes et là je crois que je suis enfin arrivée à une forme qui me satisfait à peu près. Je suis restée sur un design simple mais j'ai quand même attribué une couleur à chaque catégorie pour plus facilement pouvoir m'y retrouver. Du coup j'ai imprimé tous mes designs et j'ai commencé par tous les découper à la bonne taille sans oublier le haut pour juste laisser les petits onglets apparents. J'ai ensuite utilisé mon massicot pour marquer la pliure et puis je les ai pliés en deux. J'ai ensuite découpé des gabarits dans mes feuilles à plastifier de façon à ce qu'elles fassent juste pile poil la largeur de mes enveloppes. Pour qu'à la fin mes enveloppes puissent s'ouvrir, il va falloir que je retourne mes gabarits de feuilles plastiques, c'est-à-dire que les deux faces brillantes vont se retrouver l'une contre l'autre. Je place ce gabarit à l'intérieur de mon enveloppe et puis je remets le tout dans une autre feuille plastique, cette fois-ci dans le bon sens. Une fois que j'ai bien vérifié que tout soit à sa bonne place, je plastifie ça une première fois. Je recoupe ensuite tous les bords bien nets en laissant un tout petit millimètre de chaque côté, sauf en haut de l'enveloppe où là je veux vraiment couper un ras parce que le but c'est que mon enveloppe elle s'ouvre. Je repasse ensuite mon enveloppe dans la plastifieuse deux ou trois fois et voilà, j'ai des enveloppes solides, jolies, réutilisables et qui fit à l'intérieur de mon portefeuille et ça c'est cool. Jusqu'ici c'est ma façon favorite d'utiliser les enveloppes au quotidien. Je sais que certains prennent carrément les enveloppes de leur classeur et les emmènent avec eux quand ils sortent, mais moi j'aime pas beaucoup ça et je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir directement tout dans mon portefeuille et simplement classé.